le télésiège débrayable de la Cachette et la remontée la plus rapide d'Arc 1600 après le Mont Blanc, pour atteindre le plateau de l'Arpette. Il assure un point d'accès rapide au domaine d'Arc 1800 et à la vallée d'Arc 2000 depuis le centre de la station. Il a été conçu pour recevoir aussi le flux de skieurs provenant du funiculaire chargé le matin de Borin. C'est le second télésiège débrayable des Arcs après celui de Pezet-Valandry et le troisième débrayable de l'espace des Arcs Pezet-Valandry. Développé par Pomagaski, le télésiège des Planiettes sera son jumeau construit l'année suivante. La gare construite ici est une performance et compétition. Gare esthétiquement assez agréable, c'est actuellement la seule remontée dirigée par la ADS en tant que maître d'œuvre. Avant cette remontée débrayable, la montée du plateau s'effectuait par l'enchaînement de plusieurs téléskis. Au début, il suffisait de prendre le téléski de la Cachette, puis la construction du télésiège des Combettes en 1980. L'accès se faisait soit par les téléskis Charmette ou Pierre Blanche, ou par le télésiège des Combettes. Puis, les téléskis de la Cachette, montée longue, difficile, peu de débit, le choix d'un télésiège débrayable a donc été le meilleur. Avec un débit théorique de 2800 personnes par heure, aujourd'hui, encore à 2500 personnes par heure, le départ de la station d'Arc 1600 est donc parfaitement au point. Malgré une petite attente pendant les vacances de février exclusivement, au niveau des pistes, deux rouges dont la piste de descente de la Coupe du Monde et une noire de plusieurs bleus sont desservis par cette remontée mécanique. Enfin, le nom Cachette, à mes yeux, a deux sens. On peut retrouver le patois savoyard du mot cochette, qui signifie petit col. Mais le mot Cachette est aussi le nom de plusieurs chalets et désormais d'une résidence et d'un hôtel à Arc 1600. Je tombe sur le téléphone.